On y va? Un couplet, un refrain. Ouais. Tu te mets dans les conditions. Dans les conditions de demain soir, même s'il n'y a pas de public. De vendredi soir. Vendredi soir. Tu te mets dans les conditions de vendredi soir, même s'il n'y a pas de public, même s'il n'y a pas toutes les caméras du Prime. D'accord. Okay. Interprétation, voix, concentration. Faut que je vois quand ça commence, quand c'est trop. Des tournées des rivières. Ok, ouais, alors c'est avant. Deux mesures. Par rapport à l'original, ça commence avant. Je vais juste mettre une chouette plus fort et c'est deux mesures en page. Des tournées des rivières. Ok. Excuse me. Tu me plus, ça dérange pas, ce que je peux mettre moi. Ouais. Tourner des rivières, porter des poids, traverser des mers, je saurais faire. Défier des machines, naguer des lois. Les foudres divines, ça m'effraie pas. Je prends un coup, le rendre aussi. Rimer les clous, ça j'ai appris. J'suis pas victime, j'suis pas. Merci beaucoup. J'y vais? Bien sûr. Moi, je vais... Non, c'est pas mal. Il y a pas mal d'air, mais ça, c'est normal, c'est la fatigue. Il y a un truc qui a été très, très bien. Il faut que tu te serves de ça. J'ai appris. Tu peux me dire juste j'ai appris comme tu as fait? J'ai appris. Ouais, mais quand tu l'as chanté, vas-y, chante le voir pour voir. Ça, j'ai appris. Tu vois? Free, tu vois ce que tu fais? Et à ce moment-là, quand parce que dans cette chanson, tu as remarqué, il y a beaucoup de i, ouais. De u. C'est des notes en plus que je fais. Lutte après lutte. À la fin, je demandais. Après. Donc c'est des lettres qui sont pas faciles à. Ouais. Alors essaye justement de les caser comme tu viens de faire dans ton appris, parce que celle-là, elle est pas très bien passée, elle était très nette, et surtout, à mon avis, tu ne fatigues pas là-dessus parce qu'elle est bien là, tu vois. Okay. Il faut que tu te serves de ça et serre-toi, à mon avis, plus des consonnes. Pour avoir la voix plus projetée et que ça te fatigue moins d'ici. Okay. Tu auras moins d'efforts à fournir de là si tu le fournis à ce niveau-là. D'accord. Donc, ouais, il faut que j'appuie sur les consonnes. Quoi. Ouais. on va y réessayer deux, trois trucs. Mathieu. Moi, j'ai deux choses. Au niveau du rythme, tu es très feedback. Et j'ai du mal à me caler là parce que là, c'est vraiment... Tout à fait. Tu as néanmoins, tu as entendu le triangle qui est parfaitement en mesure d'un bout à l'autre. Donc ça te servira de base pour te caler. Tu vas le réentendre. Donc ne sois pas trop en retard sur le temps parce que ça ne sert pas à l'interprétation. Tu penses que j'étais en retard là? Oui. Tu étais toujours au fond du temps et trop au fond du temps. Ouais. Et deuxièmement, au niveau de l'interprétation, il y a deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. Il y a le climat des couplets. Et après, quand on repart, où c'est quelque chose de plus tonique et plus revanchard, tu vois. Et je trouve que dès le début, t'es trop au taquet. D'accord. Tu vois, au début, tu devrais déjà commencer à raconter une histoire. Et après, être explicatif quand on a la transposition, qu'on part en mi majeur. Ok. Ok. On part du début. Ouais. Je peux l'arrêter, hein. Oh. Volontiers. Excuse-moi, quand je vais mettre un tout petit peu plus fort la musique. Ah oui, mais tu es obligé d'aller là-bas pour mettre le... Oui, sinon je ne me serais pas permis de te déranger. Enfin, je croyais qu'il faisait le volume. Ah, d'accord. Ouais, surtout ça, ouais, mais plus fort. Ouais. Parce que... Mais toi, force pas, par contre, hein. Non, c'est pas parce que c'est plus fort, il faut que ça soit plus concentré, pas plus fort, hein. On y va? Ouais. N'oublie pas de respirer, hein. Tourner les rivières, porter des poids. Est-ce qu'on... Ne fais pas porter en arrière. Porter des poids. Ouais, parce que du coup, ton poids, il était plus en avant et ça te fatigue moins, ça. Tu vois le top?
2, 3. Tourner des rivières, porter des poids, traverser des mers, je saurai faire défier des machines, narguer des lois, les foudres divines, ça lui ferait pas. Je sais prendre un coup, rendre si river des clous. Le river, tu ne peux pas le faire comme ça, Grégory. Et où est-ce que c'est? Le rivet était complètement à l'arrêt, tu te fais mal quand tu fais ça. Rivet. 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 Bah oui. C'est plus simple quand tu le penses là. Pense-le comme si tu avais un loup et que tu chantais dedans. Un loup. Tu vois ce que je veux dire? Un loup, tu sais, c'est les masques. Mais est-ce que ça fera pas trop envoyer? Mais tu le fais envoyer. C'est ça que tu as dit, c'est envoyer? Est-ce que ça va faire trop envoyer? Des débuts, quand on a dit Mathieu. Tu l'as fait, mais seulement il était complètement sur ta gorge, alors tu t'es fait mal. Tu peux l'envoyer autrement. Mais tu l'as envoyé là, je vois ce que t'en penses, mais il l'a fait fort. Non, oui, non, mais oui, justement, oui. C'est ce que Mathieu me disait. Ah, tu veux le faire moins fort alors, river des clous. Ça monte. Au début, je pose l'histoire, et puis après que je monte... Comme tu fais, mais moi, tu l'as envoyé là. De toute façon... Mais pour moi, tu l'as envoyé mal. Ce que disait Isabelle, c'est au-delà, au-delà de la nuance, c'est-à-dire que là, c'est juste sur la projection, en fait, si tu veux. Et ça, quelle que soit la nuance, rien ne t'empêche de projeter. Enfin, absolument. Il me semble. C'est ça, c'est pas forcément faire fort, c'est que ça vient à notre place. Pour pas que ce soit tu te fasses mal. C'est fait rêver. Alors que c'est rêver. Tu vois ce que je veux dire? Pense le plus parler. Pense que tu racontes une histoire, donc que tu parles. À ce moment-là, quand tu parles, tu fais pas ça. Tu feras rêver. D'accord? Donc pense que tu es, comme au cours d'Oscar, en train de projeter ta voix loin en parlant, ouais. D'accord? Parce que là, ce qui est très bien, c'est que, pardon, on sent que la chanson, tu la connais très bien, on sent que tu l'as beaucoup écoutée par elle, et qu'il y a plein de systématismes déjà que tu as. Il n'y a pas de faute de goût, il n'y a pas de faute de goût, hein, Greg, tout va bien. Le seul truc, c'est... Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Comme disait Isabelle, et comme on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment l'histoire qui est à raconter, et pas de mimétisme... Ouais, j'ai tellement écouté qu'inconsciemment, après, C'est toujours le problème d'une chanson qu'on a beaucoup entendue. Ouais. D'ici là, je me défais. T'as encore 48 heures pour te l'approprier. Voilà, j'ai, qu'elle te devienne. J'ai 2 minutes pour l'approprier. Perso. Regarde. Et tourner des rivières, porter des poids. Traverser des mers, je saurais faire défier des machines, narguer des lois. Là, techniquement, ça c'est bien, Grégory. Des foudres divines. Là, t'es bien positionné, change pas. Je ne ferai pas. Change pas ta place, là, t'es bien. Je vais prendre un coup. Ouais. Rendre aussi. Le rivet, c'est bien. Ça, j'ai appris. Oui, très bien. Je suis pas victime. Oui. Je suis pas colon. Pas le pas. Le pas était pas bon. Et pour qu'on m'abîme, pour que je tombe. Si je puis me permettre, le clou, je le placerai vraiment en voie de tête. Le rivet, effectivement, tu l'envoies, mais le clou, je trouve qu'en voix pleine, je ne sais pas ce que tu en penses, Isabelle. Ah, ça ne m'a pas choqué. Aujourd'hui. Il est bas. Il est à chaque fois bas et je le trouve très tendu. Rivet des clous. Ah, si tu le passes comme ça, mais... Là, il était bien. Essaye de le voir en tête, ça ferait quoi? Aujourd'hui, j'ai une flemme, vocalement. La voix de tête, je n'arriverai pas à l'avoir. Pleine tête. Rivet des clous. Ça ne va pas être beau. Mais dans ce cas-là, il faut que tu sois courageux. Ton que tu clou. Mais si tu envoies sur le clou, mais ton tremplin c'est rivé, hein. Mais ton rivé là tu l'as bien eu. Rivé, c'est ton tremplin. En fait j'ai peur d'envoyer. Parce que si je me lâche, après ça va faire, t'envoies trop au début. Justement il faut pas.
ça, il ne faut pas. Ça, aujourd'hui, je veux dire, je suis incapable de pouvoir le faire. Mm-hmm. Parce que le but pour moi, c'est de sortir le son. Mais si je veux sortir le son aujourd'hui avec les possibilités actuelles que j'ai... T'es obligé de foncer dedans. Je suis obligé. Ouais. Sinon, j'ai pas de son qui sort ou je vais être bas, comme tu viens de le dire. Quoi. Mm-hmm. Cela dit, c'est pas parce que tu as envoyé sur Rivet des clous qu'après, tu es obligé de continuer à envoyer. Il peut reculer, il peut retenir. Donc, si techniquement, tu te sens obligé pour avoir la note de l'envoyer, envoie-la. Et après, tu retiens pour donner la pression au niveau de l'interprétation. Ça, si on essaye de faire une synthèse de tout ce qu'on te dit depuis tout à l'heure, en fait, c'est que, grosso modo, l'assise, soutien, tu assis, si je me permets, hein, c'est ça, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, tu assois vraiment le tout, tu projettes devant, toujours devant, tu simplifies, tu copies moins. Mais c'est au final, tout ça, ça fait beaucoup de mots, mais l'histoire, c'est vraiment de simplifier. Je crois que c'est ça. Hein. En pensant texte. Exactement. Et consonne. Ok. Détourner des rivières, porter des poids, traverser des mers, je saurais faire. Défier des machines, naguer des lois, les foudres divines, ça ne ferait pas. Je prends un coup, le rendre aussi, ribé des clous. Tu l'as, t'as compris qu'il n'était pas bien? Il est beaucoup trop large. C'est beaucoup plus... Ouais. Je me suis plus décalé, donc... Ouais, c'est... Je ne suis pas victime, je ne suis pas colombe. Il y en a un qui est aigu, c'est je ne suis pas colombe. Tu me fais je ne suis pas... Alors, après, tu es emmerdé parce que tu restes comme ça. Je ne suis pas. Pense le vertical. Et certes, tu as du P pour le projeter. Tu veux me l'en faire juste? Je ne suis pas colombe. Ouais, je ne suis pas. Ouais. Je ne suis pas... Je suis pas colombe. Ouais. Oh. Ouais. Oh. Non, Mathieu. Ouais. Je suis pas. Ah, non, pas celui-là. Non, là. Je suis pas colombe. Ouais. Tu mettras un peu moins d'air, mais sinon c'est ça. Il est mieux et l'autre il part trop en largeur. On l'avait fini, mon Mathieu. Oui, très bien.